que moi, ça me fait pitié. C'est déplorable. C'est déplorable que on en arrive là. Laurent Gbagbo, il utilise la. Et il est caché derrière là-bas. Il est caché dans son coin. Il fait comme si il n'est pas au courant. Hein. Pourtant, il est en bas. Pourtant, il est en bas. Il envoie des cyberactivistes pour insulter sa femme. Quand tu fais un enfant avec une femme, là, c'est ta femme. Pour toujours. Quand tu fais un enfant avec une femme, là, c'est ta femme. Pour toujours, jusqu'à ce que tu meurs. Même à son funérail, tu vas partir là-bas. Le jour où tu apprends que la mère de tes enfants est morte, là, tu vas aller là-bas. C'est ta femme tous les jours. Tu envoies une gamine comme Nadi Bamba, forme un groupe de cyberactivistes, leur donne de l'argent pour inciter ta femme. Et puis tu es assis là, et puis ça te dit Et puis c'est toi qui vas venir nous commander. C'est toi, tu as dirigé encore la Côte d'Ivoire. Ouattara va faire 5 mandats. Et puis je ne vais pas effacer cette vidéo là. J'assume ce que je dis. Il dit Ouattara va faire 5 mandats. Allez-y, dit là-bas que lui dit que Ouattara va faire 5 mandats. Ouattara va faire 5 mandats. Tant que vous brimez Simone Gbagbo, Ouattara va rester au pouvoir. S'il est fatigué, il va donner à quelqu'un, il va donner à son petit frère. C'est ce que vous voulez, non? Votre cible, c'est Simone Gbagbo, non? Donc, pendant que vous ciblez Simone Gbagbo, Ouattara, lui, il est au pouvoir. Il gère le pouvoir. Aujourd'hui, là, vous avez arrêté, vous tous, tous les opposants, là, vous avez arrêté de critiquer Ouattara. Vous ne critiquez plus Ouattara. Donc c'est nous on va critiquer Ouattara. C'est nous on va mettre notre vie en danger pour vous. Des malhonnêtes comme ça, des gigolos comme vous. Des libidinaux comme vous. Des gens qui sont dans la libido en permanence. Des gens en chaleur. Vous êtes en chaleur comme des chiennes en chaleur. Le sexe c'est partout. Je vais donner à qui? Je vais donner à quel. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça où? Vous êtes des hommes en chaleur. J'ai mon sexe. J'ai ma queue. Je vais mettre ça où? Je vais aller mettre ça où? La queue est partout. Ça, on distribue le spermatozoïde partout. Vous êtes des hommes en chaleur. Vous ne pouvez pas contrôler votre libido. Vous êtes en chaleur comme les chiennes en chaleur. C'est une politique libidinale avec des gonades. Ils n'ont rien compris, eux ne comprennent jamais rien. Aujourd'hui, ils font vidéo. Nous, on a les papos, on a les papos. Vous avez les papos, allez-y enlever Ouattara. Ils sont aux États-Unis, là, les guêpes, là. Vous avez les papos. Allez-y enlever Ouattara. Les saoulés de Paris, là. Transpire dans la voiture. Va enlever Ouattara. Ça serait à quoi? Aujourd'hui, là, il a parlé à tout le monde. Chacun aura son bain. Et puis, vous êtes là, vous faites vidéo. Vous ne connaissez plus les armes. Vous ne connaissez plus la route des armes. Les saoulés de Paris, les amiral blindé, la guêpe là. Kibafori, le Seni là. Vous ne connaissez plus les armes, la route des armes. Vous ne savez plus où les armes se trouvent. Namogo, dès que vous serez, vos maudits. Allez-y, enlevez Ouattara maintenant. Quand ils sont connectés, il y a 1000, 2000 personnes qui les regardent. Bon, moi, je vais prendre mon temps pour regarder un soroïste. Allez-y, prendre les armes, vous allez enlever Ouattara. Vous faites une vidéo.
Quand Gbagbo était au pouvoir là, vous avez pris les armes, non? Vous avez tué les gens? Allez-y prendre les armes, vous allez enlever Ouattara maintenant. Personne ne parle. Vos maudits, vous tous, vous les soroïstes là, toi Soro Guillaume, tu ne peux pas être président de Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai dit ça. Toi Soro, tu ne peux pas être président de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Parce qu'après Ouattara là, on va régler ton compte. Ça, c'est... Moi je te dis ça en même temps. Toi, on va régler ton compte. Ce que tu as montré aux Ivoiriens là, on ne peut pas te laisser.